I want to give you my name and this privilege to my name to pouvoir aujourd'hui au nom de l'honorable Dr. Abdoulaye Kandé et au nom de l'ensemble du conseil municipal de la commune de Ziyanchor, au nom de la population de Ziyanchor, dire toute la satisfaction qui est nôtre à pouvoir aujourd'hui vous souhaiter d'abord la bienvenue au nominal et surtout à pouvoir participer à la cérémonie officielle d'ouverture de cette activité d'envergure qui, sans aucun doute, va être une activité marquante dans l'histoire de l'accompagnement communicationnel des services de l'État et des services publics dans la commune de Ziyanchor. Je voudrais dire, au nom de Michel Blair Abdoulaye, saluer avant tout donc cette bonne initiative. Le but aussi de faire dans le leadership en matière de communication, c'est que nous répondons dans l'environnement médiatique de la commune de Ziyanchor. À travers cette bonne initiative, est en train de montrer une autre image, une autre fonction de la presse et de la communication, à savoir l'accompagnement de l'État, l'accompagnement des pouvoirs publics, l'accompagnement des politiques de l'État en matière de communication. Effectivement, les populations sont nombreuses aujourd'hui à ignorer le rôle que jouent la plupart des structures de l'État, ou bien les structures qui interviennent dans la commune des Ziyanchor. C'est pourquoi il est plus heureux de constater cette initiative qui, sans aucun doute, va permettre aux usagers du service public de mieux comprendre les missions, le rôle, l'ascension qu'assument ces structures au niveau de la région, voire au niveau national. C'est pourquoi il me plaît, au nom de l'honorable docteur, de saluer cette belle initiative et de souhaiter au nom du maire que cette fois, auquel nous invitons effectivement à participer, soit une activité pleinement réussie. Je voudrais enfin traduire le soutien, tout le soutien effectivement de la commune à l'endroit du groupe Sylvain, à l'endroit de cette bonne initiative. Nous allons marquer par notre présence au niveau de l'Espagne, mais aussi on va veiller à ce que les partenaires de la collectivité locale, notamment le projet administratif de la commune de la Banque de développement, le projet de bilan, et deux projets de la commune, à faire saisir cette opportunité que nous avons cette fois pour davantage communiquer sur les réalisations sur l'agenda de la commune. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention.